Bonjour, internautatrices et internautateurs, ici Galden pour les Jeux du Cygne qui répand le chobitisme sur Millenia en espérant que la grande démone, ne nous fustigera pas de notre incompétence. Pas tenté. J'ai plein d'épidémies là, c'est n'importe quoi. Donc on continue, on est toujours sur l'âge de la peste. Un peu pénible, mais il faut faire avec. Toi tu bouges, toi tu vas là. Et d'accord. Donc je vais pas l'accélérer, je l'accélérerai au prochain tour. Enfin, au prochain tour, j'intégrerai l'avant-poste directement. Dans Cordou. Nous avons plus de points, donc on va plus faire de. Hop. Allez, toi tu intègres Nice. Région inactive. On est la trésorerie de Toulouse. Oh, Toulouse. On a dit que les XP des arts c'était plutôt intéressant. Donc on va faire une place. Mes XP de guerre, ouais, j'en ai pas grand chose à carrer en fait. Je suis un peu capé. Capé d'épée. Pardon. Yes, je l'ai eu. J'ai eu la bidoche. J'en ai encore un là. Merde. Il me faudrait plus de sanitation, mais c'est pareil, plus d'assainissement, pardon. Intégrer un vassal, un émissaire, marchand. Alors, je pourrais me dire, hein, le temps que. Tiens, quelle est la prospérité? La prospérité de 100% sur un maximum de 300. Alors, ça, je pourrais faire. Comme je vais faire un marchand. Un marchand sur Aix-en-Provence. Tac. Ce marchand va aller ici et donc va aider au développement. Plus 10% de prospérité par tour à Helsingborg, ce qui me permettra de me développer plus vite. J'aurais pu le faire même directement. Je vais en faire un autre sur Nice. Je vais faire directement comme ça. Ouais, ce qui permettrait de se développer plus vite. Sauf que je suis peut-être maxé. Je suis à 100%. Sûr que ça puisse augmenter beaucoup. Je sais pas. Ah si, peut-être quand même. Je peux en faire un troisième. Pas tout de suite. Ok. J'ai encore récif. Allez, fin de tour. Donc ouais, faut un peu faire gaffe dans cette ville, dans ce jeu, de pas construire trop de villes. Parce que au bout d'un certain temps, en fait, on a besoin vraiment de place. Les notions d'aménagement sont hyper importantes. Et en fait, on se retrouve à plus pouvoir construire quoi que ce soit. Parce que tout simplement, on n'a plus de cases. Et c'est un peu pénible. Comme ça arrive. Est-ce que j'ai des épidémies encore? J'ai pas l'impression. Alors toi, tu vas me faire un avant-poste ici, que je vais directement intégrer, absorber un avant-poste. Pif paf pouf. Et ça fait plein de cases d'un coup. Et ça c'est top. Alors, autre ville à côté de Lens. Tiens, puisque mon choix ne t'avait pas plu à 4. Quel autre nom va-t-on donner à une ville proche de Lens? Non, plus court. C'est chez toi. Allez. Saint-en-Saint-Paul. Ça va, j'ai suivi mon cas. Yévin. Ouais, c'est. Puisque c'est un peu plus grand. Allez. Oh, pas trop.
Hop, allez, va pour Liévin. Je connais le nom en plus. Angres, je connais pas. Ah, c'est très bien parce que du coup, ça m'a fait des routes pour relier toutes mes villes. Hop. Lui, on va pouvoir le remettre là. Chasseur, sauveur, explorateur. Tiens, je peux aller chercher celui-ci. Expédition terminée. Supérieur égal à 3. Donc, je peux maintenant faire évoluer celui-ci et aller chercher la jungle mystérieuse. J'ai plus assez de mouvement, mais c'est pas grave. Tiens, bah toi, tu vas même aller là. Mon explorateur, à côté de Nanguin, qui va aller explorer la grande barrière de corail. La trésorerie est terminée à Marseille. Je peux améliorer le centre de gestion du marché. Le reste m'intéresse pas fondamentalement. Alors, par contre, je peux importer ou exporter. Est-ce que je pourrais pas m'importer, typiquement? Bah si. Je pourrais m'importer du bois. Alors que ça. Ce nombre-là, je ne sais absolument pas à quoi il correspond. C'est peut-être de l'or, que ça coûte partout. Non, c'est pas le plus intéressant. C'est plus intéressant que j'importe du raisin ou du riz. Hop, allez. Voilà, et du coup, ça me permet d'exploiter à fond mon bâtiment pour la culture vinicole. Par contre, je peux exporter, mais là, c'est pareil. Exportation nationale. Je peux exporter quelque chose que je n'exploite pas, j'imagine. Tiens, par exemple, est-ce que j'ai pas du blé que je pourrais exploiter? Vous voyez, non, le blé, je m'en sers pas pour l'instant. J'ai pas de farine. J'ai pas de. Non. Ouh là, j'ai des problèmes de d'assainissement là. Il faut vraiment que je m'en préoccupe. Amas d'ordures. Fin de tour. Hop, hop. Ah, ça c'est une recherche qui s'est terminée. J'ai pas assez de points d'aménagement là. En fait. Comme j'en dépense quand même pas mal pour les questions de gestion d'épidémie. Alors, explorons la jungle mystérieuse. Plus 50 de richesse, j'en ai vraiment pas besoin. Par contre, ça, clairement, je vais les utiliser, les points de militaire, vu que je m'en sers pas. Hop. Tac. Choisir une tech. Donc, j'ai terminé l'agriculture efficace. J'ai dit que j'irais chercher. Ça me permet quoi? Augmenter la taille maximale des armées. Ça peut être sympa pour s'assurer une domination potentielle sur nos ennemis. Ou alors les besoins de foi. Les machines, c'est quoi? Ça améliore les camps de bûcherons. Et l'atelier, ça c'est bien. C'est un bon bâtiment, l'atelier. Je vais aller chercher l'armée de métier quand même. Bah, ça m'intéresse en plus de dépenser mes points de guerre pour améliorer mes armées. Alors, j'ai 21 points. Non, il faut impérativement que j'accumule. D'abord, pour enrayer l'épidémie. Et ensuite, là, j'en ai pas pour me faire un tas d'ordures. Ah, c'est à Toulouse que c'est le drame, en fait. J'ai trop de population à Toulouse. Là aussi, hop. Là, c'est bon, j'en ai pas. Ok, merci d'être passé. Bisous, Sobeka. À une prochaine. Alors, je peux revendiquer des territoires, c'est cool. XP des arts. Je pourrais faire l'immigration sur Lens.
Un instant. Excusez-moi, je suis de retour. Alors, je vais faire une célébration religieuse pour propager le chobitisme à Nantes, par exemple. Pour que ça puisse se développer un peu plus vite. Et que je puisse prendre l'ascendant sur les autres religions. Même si je ne sais pas. Alors, de ce que j'ai vu. Ah, si, ben voilà, Londres. Typiquement, ils ont développé le shintoïsme à Londres, totalement logique. Donc là, il va y avoir un peu battle de religion. Ouais. Donc ce qui est bien, c'est que moi, je l'ai développé avant. Du coup, bah, par là. Mais bon, il va falloir. Voilà, il va falloir utiliser des XP des arts, de l'XP des arts pour essayer de faire en sorte. De contrebalancer les religions adverses, même si je ne sais pas bien ce que ça change au final. Fondamentalement. Ah ben c'est le Brésil aussi s'est fait une religion. En fait, il y a eu un patch note enfin il y a eu un patch hein, sur cette semaine. Où j'ai vu qu'entre autres, il était indiqué que les IA développaient pas assez de religions. Et donc voilà. Là je vois que. Voilà, le christianisme à Fortaleza. Ok. Donc là, j'ai besoin de d'assainissement. Je n'ai pas assez de points. Toulouse, même chose. Là, c'est bon, éventuellement plus de logement, mais de toute façon, il faut que je garde mes points. Première épidémie à Lens. Ouais, bah, ça respecte pas à fond. Oui, à la limite, le christianisme au Brésil, pourquoi pas, mais. Alors, on explore. Je vais pas dépenser mes points d'exploration, par contre, je vais prendre d'autres points de gouvernement. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ouais. Pas vraiment en fait. Si, parce que j'ai d'autres villes à intégrer. Donc, et plus elles sont intégrées tôt, mieux c'est. Nice, ouais, 85. Donc j'en ai besoin. Là, donc je peux l'intégrer dès que je veux. J'intégrerai sans doute jamais Helsingborg. Qui est quand même pas super intéressant. Ah oui, c'est vrai que si je fais des avant-postes, ça permet de prolonger les routes aussi. Explore, mon ami explore. Ingénierie, explore. Oh, 30 points d'explore. J'aime bien les points d'ingénierie aussi. Donc 30 points d'explore, je vais prendre. Neutralité, on va aller regarder ce que c'est. Ah tiens, mais. J'ai même pas fait gaffe les lieux d'intérêt. Révèle tous les lieux d'intérêt sur la carte.
Ah, mais ils sont là. D'accord. Ok, ça me permet de voir un peu où sont les... L'expédition disponible. Ok. J'avais même pas fait gaffe. Du coup. Et c'est pareil, il me faudrait une petite interface qui me permette de voir d'un coup d'œil ce qui a déjà été exploré, ce qui n'a pas été, quoi. Alors, quel territoire est-ce que j'aurais besoin de revendiquer rapidement avant de me le faire piquer? La mine d'or ici. Alors bon, ceci dit, c'est un vassal, les vassaux en général, ils mettent très longtemps avant de piquer des cases. Donc en fait, je m'en fous un peu. Ici éventuellement, histoire de bloquer. Ouais, si je pourrais faire en sorte. Vais finir de débloquer l'explorateur. Je vais aller chercher ça. Et on verra ensuite ce que je fais du reste de mes points. Centre de gestion du marché. Qu'est-ce que là j'ai terminé la place. Le théâtre. Allez, on continue sur l'XP des arts. Là, je vais bientôt avoir un truc de lin en plus. Hop, j'en ai un là. J'en ai un là qu'il ne faudrait pas que j'oublie. Hop, et j'en ai encore. Tac, tac, tac. Un ici. On continue notre expédition. Là, je vais les dépenser, les 30 points d'ingénierie. Hop, ouais, tu vas te positionner là pour contrebalancer les problèmes d'agitation. Ici. Eh ben, on va dépenser 30 points. Hein. On m'embête un peu de les dépenser, mais c'est ainsi. Ça permet de diminuer le niveau de répression, c'est pas dégueu. Ensuite, on ira chercher la palissade. Et ensuite, bah, ce sera tout. Je peux accélérer, est-ce que j'ai intérêt à le faire? Ici, non. Parce que j'intégrerai du coup au prochain tour directement cette ville-là. Donc je vais, bah, je l'accélérerai au prochain tour quand j'aurai intégré Nice. À ma dordure, bah, je peux plus le faire. Merci l'épidémie. Des barbares ici. Des barbares qu'il va falloir aller chasser. Hop, au boulot. Alors non, l'avantage c'est que là ils sont bloqués. Donc mon explorateur risque rien. Ils vont être obligés de faire le tour. Sauf s'ils reprennent la mer. 95% de chance pour 100 points d'explo. C'est gagné. Hop. Nickel. Donc explorateur. Hop, on va chercher, révéler les camps reculés. Où sont les camps reculés? Je ne sais pas. C'est formidable. Les camps reculés. Est-ce que je vois un nouveau symbole? Je ne crois pas. Tiens, là, il y a encore. Il y a aussi des barbares qui sont apparus. Allons à la chasse aux barbares. Je ne vois pas du tout de camp reculé. Est-ce que c'est quand j'ai un. Est-ce que c'est un truc qui fonctionne?
Et c'est pas clair du tout. Un camp d'explorateurs perdu. Parce qu'on peut, quand on perd un explorateur, enfin, quand on perd une expédition, en fait, on perd l'explorateur. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moins 10% de chance. C'est le dernier. L'énorme requin menace l'expédition de plongeurs. Pop, pop. 50 de richesse, c'est quand même vraiment ridicule. Ça m'embête un peu de gâcher 30 points d'explo, mais. Tiens, qu'est-ce qu'elle me donne ma. Ma guilde des explorateurs. Est-ce que ça indique. Guilde d'explorateurs, d'accord, plus 4 parce que j'ai terminé 4 explorations. J'en ai terminé 4 déjà? Bon. Pas sûr. Alors, on a dit qu'on pouvait intégrer Nice. Alors, un autre nom de ville. Qu'est-ce qu'on pourrait. Comment est-ce qu'on pourrait nommer cette ville? Et on va intégrer tout de suite cet avant-poste. Non, pas forcément du côté de Nice. Bah, on n'a pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas Paris, techniquement. Mais on n'a pas Lyon, on n'a pas. Ils se font encore la guéguerre. Les Brésiliens. Où est-ce qu'on garde Nice? Bon, je sais pas, si vous voulez qu'on renomme. Non, mais on a dit une ville, on n'a pas dit un hameau. En Bretagne, on peut partir du côté de la Bretagne si tu veux. On a déjà Nantes, hein, mais. Quoique, est-ce que Nantes est en Bretagne? Ça, c'est un grand débat. Ah, si, quand reculer? Envoyez-y une unité pour qu'elle intègre votre nation et partage ses recherches. Tiens, eh bien je vais envoyer une unité. Hop. La base au oui, bon. Tout de suite. En division, sûrement. Sûrement. Alors, est-ce que j'envoie d'autres des camps reculés? C'est tellement pratique. C'est tellement pratique que ce soit pas indiqué plus que ça. J'ai vu un lieu qui s'appelle Arnaque. Arnaque la poste. N'importe quoi. Je m'entends pas très bien avec le Royaume-Uni, c'est bizarre. Je pourrais envoyer un ambassadeur au Brésil. Hop. Alors, je peux faire un amas d'ordures. Dit comme ça, je trouve c'est tellement glamour. Là, j'ai besoin de logement, amas d'ordures. Et Chamonix, Pau, ouais. Ça serait plutôt des villes secondaires. Hein. C'est capitale de région. On peut prendre Grenoble et ensuite aller chercher Chamonix, par exemple. Allez. Tu veux, on part dans les Alpes. Grenoble et Chamonix. Ou dans Chambéry. J'ai une. On verra pour la deuxième ville. Peut-être que Chamonix, ce sera la deuxième ville. Ah tiens, là aussi, j'ai un campement reculé. Un camp reculé. Hop. Alors, région inactive.
On est où? On est à Grenoble, justement. À Grenoble, on va construire comme d'habitude le camp de travail suivi. Le poste de guet commence à être moins indispensable. Mais... Explorateur, non. Ah oui, si je peux faire ça. Ce qui me donne territoire d'origine plus un de points d'exploration. Ça fait toujours ça en plus. 38 par tour, ça commence à être fat. Hein. Allez, fin de tour. Bim, allez, c'est reparti. Ils se l'échangent. Le Brésil et la Suède. Alors, toi, tu vas aller près du Sahara. Hop. Toi, tu vas continuer ton déplacement. Toi, tu vas par là. Continue le déplacement. Et on a terminé, j'espère, 100 points des arts. Yes. C'est bon ça. C'est bon pour la religion. Donc on peut adopter une religion étrangère. Ne présente qu'assez peu d'intérêt. Je vais faire une célébration religieuse à Toulouse pour booster encore. Le chobitisme face au shintoïsme. Ensuite, je vais aller à Marseille. Ils ont besoin aussi de la main d'ordure, hein, de toute façon. Il faut que j'en fasse au moins un par ville. Nantes, ça va encore. Attends, j'avais vu que j'avais une épidémie. Là. C'est tout. Et une autre là. Tac. Explorateur. Je vais faire une autre célébration religieuse à Nantes, toujours. Voilà. Et propager la religion dans une ville étrangère. On va la propager. Ah, il faudrait que je la voie. Il faut la voir en direct. Je pourrais la développer. 20 points de chobitisme avarice. Là, normalement, ça devrait le faire. Je vais arriver à la développer ici. Alors, ce qu'il faudrait pas. Tiens, je vais essayer de le développer là. J'ai quoi? J'ai du christianisme. Hop, j'ai développé ici. Tac. On attendra le prochain tour pour voir ce que ça a donné. Je vais pouvoir faire apparaître un marchand. Il est où mon marchand? Ah merde, il est là mon marchand. Mon marchand, lui, ça m'intéresserait plus qu'il aille sur Récif. J'avais pas fait gaffe qu'ils étaient regroupés, même si c'est logique. Fin de tour. Ah, vivement que je vais chercher l'âge suivant. Et oui, forcément, ils sont montés. Alors, explore-moi. Je paye 50 de richesse et je gagne 30 de diplomatie. Je paye ouais, de l'XP de guerre, j'en ai trop. Le marchand continue son déplacement. Toi, alors, allons voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est que ce camp plus? Ah bah d'accord. Bon écoute, 40 de savoir et 40 d'XP d'explo, je vais pas dire non.
Franchement. Bon déplacement de merde là. Je peux pas faire non. Dès que je pourrais faire un pionnier, je vais faire réparer apparaître par là. Tac. Allez, bim bam boum. Continue le déplacement. Là, j'ai terminé l'expédition vers la grande barrière de corail. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mort. Est-ce que j'ai d'autres sites remarquables? Non. Bah ben non, de toute façon, si j'en avais un, je l'aurais vu, je l'aurais dévoilé. Enfin, il m'aurait été dévoilé. La haute montagne, je l'ai faite ou pas? Expédition disponible. Je ne l'ai pas faite. Alors, ceci dit, je pourrais peut-être envoyer celui-ci quand il aura terminé. Le Sahara. Est-ce que j'aurai d'autres? C'est tout, hein. Sur ce continent, j'ai fait Bornéo. J'ai fait le canyon. J'ai fait la grande barrière de corail. Ah, j'ai le mont Everest que je peux aller chercher. Hop. Ah, j'ai terminé. Je vais pouvoir dépenser mon XP de guerre. Yes. Ça me permet aussi d'avoir des troupes qui vont plus vite. Alors, eux, typiquement, par contre, je vais pas pouvoir faire les faire évoluer. Je crains. Où est-ce que c'est indiqué? Hop. Cette unité de chasseurs à distance, je crains, comme c'est des unités spécifiques à mon esprit national, je pense que j'ai pas d'évolution possible, ce qui est un peu naze. Je sais que ça peut évoluer, mais c'est pas indiqué ici. Non. Mais j'ai une évolution dans mes recherches, ici. Là d'ailleurs. Je vais pouvoir faire 17 tours pour la Renaissance. Mais je vais quand même aller chercher parce que je reviendrai ensuite sur les autres. Ah, c'est marrant, ils sont tous allés chercher celui-là. Hop. Histoire de terminer ces épidémies. Donc, un piquet et. J'ai vu que j'avais un campement ici que je pouvais aller. Détruire. Toi, tu restes là pour l'agitation. Toulouse, non, Lens. Alors, les magasins pour une plus grande construction. Ça me coûte 1000, je gagne 100 par tour et je suis pas à fond. Hop, go. Sur Lens, on va faire, on va accélérer cette construction. Tac, des magasins. Bibliothèque, plus de savoir. Non, l'hôtel à raclette. Et la grue aussi. Mine de rien. Vu comme j'en dépense, plus de points d'aménagement, ça ferait pas de mal. Je peux améliorer mon piquet. Ah, pas l'arbre vitrier par contre. Qu'est-ce que j'ai débloqué là? Épée longue. D'accord, qui booste contre la cavalerie. Ah, pardon, donc les piquets boostent contre la cavalerie. Et l'épée longue contre les unités de ligne. Le bonus n'est pas le même. Et en termes de stats, 15-22 pour l'un et 19-28 pour l'autre. Bon, ouais. Ok. Je suis pas sûr de bien comprendre. Comment est-ce que les arbalétriers pourront évoluer du coup? C'est peut-être à l'âge suivant. J'imagine ça doit être avec les arquebusiers ou un truc comme ça. Alors j'ai 19 points. Est-ce que je peux m'en servir? Bah pas trop encore. Est-ce que j'ai des épidémies?
faudrait quand même. Non, mais de toute façon, il me faut encore. Ah oui, si j'avais dit du logement ici. Pour répondre aux besoins de la ville. Hop, quand même. Quartier public. Ah, mais les quartiers publics, c'est mieux que les logements, je suis bête. Pourquoi est-ce que là, j'ai fait des. Ah, je peux pas les améliorer en plus. À Nantes, bah, typiquement, j'ai besoin. Toujours pareil. Ici. Attends, donc sur mes armées. Tout va améliorer. Non, pas là. Tac. Un piqué en plus. Ok, fin de tour. Nous espérons que vous aurez la sagesse de convaincre. Ah bah non. Non, non, le chobitisme me vaincra. Coco. T'as pas tout compris, toi. Hop. Allez, boum, 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 boum. Plus de production sur Grenoble, ça c'est très bien. C'est très très bien. Alors, toi tu vas te décaler histoire de ne pas te faire attaquer. Et hop. Et tu poursuis ta recherche. Plus 30 XP de gouvernement. Ouais, je prends. Je peux dépenser des sous pour accélérer. Une très bonne chose. Ouais, je peux pas faire de pionnier. Ouais, ok. Ça pue. Ah, ou alors sinon, je fais ça qui me génère instantanément 75 de savoir. 75, ça correspond. Combien est-ce que j'ai de. Dix-neuf virgule cinq. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Alors, tant que je te vois, toi, hop. On supprime l'épidémie. Ici aussi. Putain. Je gagne 13 par tour et là, je vais en dépenser 15. Rien pour supprimer tout ce qu'il y a. Pour peu que j'en oublie pas. Alors, en même temps, quelque part, c'est réaliste. Hein. C'est vrai que une épidémie comme ça, bah, ça fout la merde. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un petit Eureka. Ouais, pour avancer plus rapidement sur l'âge de la Renaissance. Continue le déplacement. Hop. Alors, on est où? On est à Toulouse. Centre de gestion. Et bof. Ouais. Parce que la tour de garde, je suis à quoi, moins 0,92. Si un avantage de la religion, c'est que ça donne du savoir normalement, de mémoire. Ça marque pas là, mais il me semble bien que c'est ça. Je peux améliorer, bah, Marseille, j'ai quasiment tout construit. Pourquoi je peux pas faire des plombs? Ah, il nécessite une caserne, d'accord. Tant que j'ai pas fait de caserne, je peux pas. Knarr. Ah. Allons débloquer le Knarr. Je vais voir ce que ça donne. Un Knarr. Construire un Knarr.
déplacement 50, c'est plutôt sympa. En comparaison, là, c'est 30. Ça fait 10 cases d'un coup. 5 cases d'un coup, pardon. Plutôt sympathique. Je suis pas le seul à galérer. Hein. Répondre à la demande, accepter. Et eux, ils annulent l'alliance. Ouais. Qu'est-ce que j'ai accepté? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas ce que j'avais. Tiens, maintenant mes armées en plus peuvent avoir un slot de plus. C'est plutôt cool. Allez, tiens, boum. Hop. Problème réglé. Et toi? Alors, hop. Gars. Ah, c'est pourrave ça. C'est bien les points d'ingénierie. J'en ai pas beaucoup. Bon, allez, je vais faire ça. On verra. J'espère ne pas choper le moins 20, mais ensuite le karma fait que c'est quand même pas impossible. Je voulais justement me faire un pionnier. Qui relie, qui me permettent de relier un peu toutes ces villes. Alors ce que je ne sais pas, c'est à quelle portée ont les routes. Est-ce que je trouverais ça dans l'infopédia, aménagement et route, non. Diverses. Route. 5 tuiles, ville capitale et avant-poste. Dès que ceux-ci sont à moins de 5 tuiles d'un autre. Moins de 5 tuiles. Donc 1, 2, 3, 4. Si je le fais là, logiquement, ça relie ces deux ici. Par contre, je pourrais jamais rejoindre avec Helsingborg. Ok. Hop, allez, fais-moi une petite. On va causer au Brésil. Donc là, on peut maintenant dépenser les points de diplomatie, typiquement, pour faire des demandes. Donc je peux envoyer un cadeau, je peux améliorer les relations. Plus 20 d'opinion diplomatique, plus 10 diplomatique. Autant améliorer les relations, mais les points de diplomatie, je m'en sers pas des masses. Par contre, on voit que ça lag. Alors, c'est certainement lié au fait que je sois en plus en live. Hein, mais... 1, 2, 3, 4. Ici, ça devrait le faire. Voir. En fait, je vais même me mettre là. Ça me permettrait de choper ces zones-là. 1, 2, 3, 4, ouais, je vais mettre là en fait. Alors, région inactive, magasin terminé à Nantes, la grue. La grue, la bibliothèque, le stade, c'est bien aussi. J'ai des soucis de production à Nantes. Mais pour ne pas en avoir, il faudrait que je puisse ne pas avoir en permanence à dépenser des points d'aménagement pour évacuer mon épidémie. Explorateur, neutralité des barbares, allez.
Et j'ai terminé ma branche. Du coup, maintenant, je peux revendiquer du territoire. Je peux construire un palais. Ça, c'est fait. J'en ai qu'un seul de possible. Fin de tour. En même temps, ça m'arrange que ici il développe pas parce que ça me permet de continuer de grappiller des cases sans être embêté. Continue ton déplacement. Hop. Vin de culture, je prends. Bon, ça me fait. C'est pas ouf. Vin de culture, pas presque pu prendre la richesse. Toi, bah, tu vas retourner à Angers. Alors, maintenant, c'est vrai que le fait que les barbares deviennent neutres, c'est quand même une certaine dose de confort. Parce que je risque plus d'être attaqué. Par eux. La haute montagne, on a dit. Fin de tour. En particulier, c'est sur les bateaux que c'est bien. Oh la vache, ils les font en boucle. Moi, ça me va. Hop, avant-poste. Yes, c'est bon. Ça me permettra quand même d'aller plus vite. T'es quoi, toi? Émissaire. Expédition disponible. Hop, bim. Enrayer l'épidémie et enrayer l'épidémie. Et enrayer l'épidémie. Allez, plus que 9 tours. Bah, je peux même pas en faire un chef. Naze. Hop. Ça y est, j'arrive au pied du mont Everest. Alors, je peux revendiquer du territoire, je vais le faire d'ailleurs. Hop, je vais le faire là. Tant qu'il n'a pas intégré au-dessus, c'est pas un problème, je vais le faire là et là. Histoire que il ne m'embête pas ailleurs. Amador dur, bah non. Je voudrais bien, mais je peux point. Hop. Ah, oh, saligo. C'est pas vrai. C'est lui qui l'a chopé. Ça y est, il devient hostile. Ok. Langlois s'énervoie. Un canon. Wow. Ça roule à 4, merci d'être passé. Des bisous. De toute façon, je vais pas tarder à m'arrêter, moi. Je vais encore. Je vais encore jouer 10-15 minutes et je vais m'arrêter, je pense. C'est eux qui l'ont chopé, les saligots. Oh, c'est terrible.
tellement impossible de les voir, ces corps reculés. C'est vraiment super débile. Tiens, là, j'aime. Épidémie enrayée. Tiens, il y a encore un camp qui s'est posé ici. Salut ma valeur, merci pour le follow. Payons des richesses et augmentons nos chances de succès. Toi, tu peux améliorer la prospérité de ce genre-là. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'elle est Simborg? Eh oui, bon, je vais arriver au 300%. Ça c'est cool. Même si, du coup, même si c'est pas ouf comme ville, bon, ça fait ça augmente un peu les. Marseille, c'est un peu dramatique. Hein. J'ai toujours pas, sauf que comme j'ai toujours pas de. Ensuite, ça ne fait que ralentir la croissance, hein, mais c'est juste super pénible. Merde, là j'ai deux agitations. Fais-moi un garde de la ville, s'il te plaît, en urgence. Et ensuite, tu vas me faire le magasin pour toujours plus de production. Donc, les Anglois deviennent neutres. Bon, soit. Donc, du coup, je vais faire gaffe. Je vais rester dans le coin. Hop. Toi, tu te remets en veille active. Toi, tu commences ton expédition. Même chose, des richesses. J'ai ce qu'il faut. Hop, toi tu te mets en pause. Région inactive, caserne. Et ben voilà, donc là j'ai construit tout ce que je pouvais construire à Marseille. Ben, je vais faire un CNAR quand même pour voir. Hop. Bon, j'ai vraiment pas spécialement besoin de tuer d'autres barbares. Même à la limite, je préfère qu'ils me fassent des campements parce que ceux-là, ils me rapportent des trucs. XP de gouvernement, j'en ai plus vraiment besoin. XP d'exploration, non plus. Donc, go. Ah, il ne l'a pas pris du coup. Et ben, moi, je le prendrai au prochain tour alors. Hop. Plus 30 XP des arts, je prends. Il a construit une ville ici. N'importe quoi. Le spawn de ville, c'est le mal. Bien, je vais me garder. Là, j'ai juste de quoi me faire un tas d'ordures à Marseille. Tac. Aix-en-Provence, il est spécialisé en quoi? Non, il n'est pas spécialisé. Hop, boum. XP d'explo, XP de guerre.
La grue à lance. Fort bien. Le grenier pour davantage de nourriture. Ouh là là là, c'est quoi cette agitation de ouf? Merde. Je me demandais pourquoi mon chaos avait augmenté. Donc non, pardon. Du coup, garde la ville en urgence. Et stade. Non, bibliothèque. Eh ben oui. Oui, puisque j'avais laissé une armée au départ, sauf que je l'ai enlevée. C'était moyennement malin. Lance des rebelles attaquant d'ici 2 tours. Eh ouais. Elle est de combien d'agitation du coup? Nombre de régions 8. Ah, il m'en faut un deuxième en fait. Bon, je vais redescendre eux. Ah, c'est vrai que j'ai un médecin de la peste, je l'avais oublié lui. C'est de l'XP d'explos pour endiguer. Bah tiens. Hop. Maintenant que j'ai fini. Tiens, tu pourras remonter là. Je vais tellement le détruire ça. Déclare-moi la guerre, coucou. Tu vas pas comprendre ton malheur. Hop, il faut qu'on augmente notre légion à Toulouse. Ah non, je pourrais le faire. Tiens, ça me permettrait de diminuer l'agitation. Aussi. À Lens. Tac. Célébration religieuse, ça baisse. Voilà. Et ça permet de développer le chobitisme. Christianisme, plus de pression. Wow, là aussi, je suis en agitation élevée. Non. Ah non, moins 8. Ouais. Je fasse gaffe quand même. Je vois que ça monte. Ça monte pas mal. Est-ce que je redépends des sous? Non, je vais quand même garder un petit stock parce qu'en plus, j'ai potentiellement un événement de chaos. Il va survenir. Donc il faut que j'économise un peu. On va aussi faire pop des volontaires. Ça fait apparaître quoi? Des pics? Pourrait être une idée. D'autant plus que je ne peux pas le faire très souvent. Alors là, je suis à 0 d'agitation. À Lens. C'est surtout à Lens que c'est dramatique. Plus 3 de chaos. Parce que ça augmente sévèrement la quantité de chaos générée. Hop, allez. Je vais pop des volontaires ici. Je peux le faire tous les 4 tours. Et fin de tour. Eh ben, moi je veux bien les alliances. Ah merde. Non. Bon, bah, je suis nouveau en guerre contre la Suède. Ça me fait suer. Veux bien dépenser. Là, alors, qu'est-ce que ça me donne? Étudier ces artefacts, plus 40 de savoir, très bien, plus 40 d'explos. Nickel. Accélérer 1. Il se fout de ma gueule.
Ouais, laisse tomber là, je vais pas passer. Pourtant, ce serait drôlement bien si je pouvais. Non, il faut que je le fasse prioritairement. À Lens. Parce que ça aussi, c'est générateur d'agitation. Hop. Je vais dépenser. Hop. Là, j'en suis à plus 1,5 par tour. Donc, je vais lui faire une marche forcée. Tac. Non, tac, 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 j'ai tac, tac, tac. Voilà. Donc là, normalement, ça va diminuer. Ouais, moins 10,5 par tour. On peut se laisser avoir. Là, je peux revendiquer du territoire encore. Hop. Et faire là. Ah merde, j'étais sur Toulouse. Bon, c'est pas très grave. Toulouse va avoir plus de mal à développer. Pardon. Ok. Hop. Toi, ça va. Je vais te remettre à Aix. Égalité. Et ben go. Ouf. Renfort. Mon médecin de la peste, je vais le laisser du côté de Marseille, du coup. Là, je peux en virer une. Hop, expédition. 85%. Prenons l'XP des arts, c'est toujours bien. Alors, pouvoir culturel, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la propagande afin de diminuer le chaos. Ça fait diminuer la génération de 10. C'est plutôt sympathique. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. En même temps, vu là où j'en suis pour les questions d'assainissement, c'est pas tellement surprenant. Alors, tiens, qu'est-ce qu'ils font là? Hop. Lance, qu'est-ce que je construis du coup? Le stade. Et ça a déjà bien diminué quand même. J'ai un aménagement qui me génère de l'agitation. Ah ouais, le quartier public. Ah. Faire gaffe à ça. C'est quoi ça du coup? C'est des. Qu'est-ce que vous êtes? Des rebelles 4. Si vous êtes des rebelles 4, alors. Je vais y aller. Avec. Hop. 3. Non. Tac. Allez. Bon, allez, les rebelles 4, ce que j'en fais. Hop.
Bim. Et ben là, je vais reprendre les XP de guerre, tiens. Parce que, en fait, en XP gouvernement, je vais arriver au max. Ça va me permettre de soigner. Et puis, potentiellement, quand même, comme l'Anglois est un peu vénère. Ah, 100 points d'ingénierie, ça, c'est vraiment cool. J'avais 105% de chance de réussir. Hop. Toi, tu vas pouvoir remonter. Là, forcément, ah si, toi, tu vas pouvoir me le soigner. Ça me fait économiser toujours 5 points d'aménagement. Apparition de révolutionnaire. Oui, c'est bon, il est mort. Et ici, je termine l'exploration. Ah zut, il faut que je les dépense d'abord. Oh, c'est naze. Je vais perdre 35 points. Parce que j'ai pas pensé. Alors, il manque que je me plante. Ah bah, je me plante. Formidable. J'ai plus qu'à recommencer. Tiens. Toi, tu vas gagner une promotion. Tu vas gagner une promotion et moi je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. J'espère que tout ça vous aura bien plu. Ah tiens, si je cesse. Non, avant d'arrêter ici, je vais me faire une amélioration publique. Histoire de terminer de nettoyer. C'est parce que c'est vrai que je peux faire ça pour augmenter mon nombre de points. Et faire un peu le ménage de toutes mes épidémies et éventuellement construire des bennes à ordures. Voilà. Allez, je m'arrête là. Merci à tous ceux qui ont suivi sur Twitch. Merci à tous ceux qui sont issus de la VOD. Je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.